Et oh, la je la viens de fou. J'ai failli le mettre. T'es là au match. Là, il va vous en mettre plein la vue. Salut les jumeaux, c'est coach. Tiens, ça va encore aujourd'hui. On se retrouve ici au championnat du monde de Pana avec le représentant français, le champion de France, Anas Boukamiana. Ça va ou quoi? Tranquille? Bon, pour vous rappeler un peu la petite histoire, Anas, je le connais depuis un petit moment. Hein. On s'est rencontrés en quelle année? 2016, exactement, lors d'une séance VS où je l'ai rencontré pour la première fois. J'ai vu qu'il était archi talenteux. Après, il s'est entraîné. Un jour, il m'a eu, c'était un tournage, il m'a dit on fait un Pana. J'ai fait un Pana, il m'a défoncé l'enfoiré. Allez, envoie-moi le mail, après renvoie-le-moi. Et je disais pas des ah, bâtard. Je m'en rappelle encore. Et aujourd'hui, il est là avec nous. Il fait même partie du jeu vidéo Street Power Football. Il a son personnage dedans. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur français en Pana. Il a gagné les deux dernières compétitions, c'est ça? Trois dernières. Ah, trois? Ouais, il y a eu une Coupe de France aussi. Ah oui, il y a eu une Coupe de France. Ah, Coupe de France, Championnat de France. Et nous, c'est comme les poids, les gars. Qu'est-ce que tu veux nous dire un peu par rapport aux compétitions que tu as fait internationalement il y a quelques mois? Il y a énormément de niveaux, les mecs sont grave talentueux, c'est des mecs qui s'entraînent tout le temps à fond, donc t'es obligé de suivre. Et quand t'as la passion, forcément ça suit. Et voilà, maintenant on est là et on donne tout, hein. C'est comme ça, normal. Ok, donc Anas, il a participé à plusieurs championnats, il a même gagné le Pana Pro League, qui est une compétition internationale où il n'y a pas de but, c'est que les Pana, et il a mis un Pana de fou. On va suivre son parcours des top 16, peut-être jusqu'au champion, on va lever la coupe. On va regarder les meilleurs Pana de Anas Boukami, c'est parti. La YouTubance, nous sommes à quelques minutes de l'entrée en lice de Anas Boukami dans le championnat du monde de Pana. Anas va affronter trois adversaires aussi puissants les uns que les autres. Je vais vous répéter les règles pour que vous compreniez bien. Il y a des phases de groupe où les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les phases finales. Chaque match de groupe, il en aura trois, sera de 4 minutes. Pour gagner ce match, il faut marquer plus de points que l'adversaire. Les points se marquent de la façon suivante. Un but égale un point. Et les juges qui sont au nombre de 3 pourront également donner un point chacun à la fin de ce match. Bien sûr, s'il y a Pana et donc petit point, c'est KO, c'est fini pour celui qui prend le petit point. Le tournoi a déjà commencé, Anas s'échauffe et va bientôt rentrer dans l'arène pour la première fois pour se présenter, puis affronter son premier adversaire. Ok, especially when you see a skill, when you see a Pana, we need to... Welcome, Peter Anas. Hey, Anas! Hey, Anas!
dépôt, s'il te plaît. Anas essaie de provoquer son adversaire en utilisant le même geste que lui avec la tête. On va voir, ça va faire écarter les jambes de Sharif. J'espère qu'il va lui mettre un petit pont. Reprenons. Attends, attends, mais que fais-tu, Anas? Pourquoi tu ramasses la pièce par terre, là? T'es en train de jouer un match, tu prends des buts pour rien, frérot. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il va gagner? Il y a 4-4, ça va jouer au juge. Je vous rappelle à YouTubeance que les juges qui sont juste en haut, composés de Edward Van Gils, Juju et Ori, trois légendes du street football hollandais, vont juger pour soit l'un, soit l'autre, et ça va ajouter des points au score final. Peut-être Anas peut l'emporter. Qu'en pensez-vous? Dites-le-moi en commentaire. Anas, t'as vu les premiers matchs? Ouais. Moi, je les ai analysés un petit peu, comme je suis au commentateur, je regarde un petit peu. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que t'as 4 minutes, c'est archi long. Donc, t'as grave le temps de prendre le ballon et t'as 3 points de différence. Si vraiment tu te concentres sur le skill, tu peux toujours être à 3 points de décalage. Et là, faut pas oublier les buts. Faut pas oublier les buts, mais il faut faire en sorte que tu sois au-dessus de lui au niveau des skills et n'hésite pas à mettre le show. Ouais, ça va te faire gagner des trucs parce que les juges ils savent pas encore. Là, le mec que j'ai en face de moi, c'est un mec qui fait du show. Ouais, mais tu vas être au-dessus de lui. Tu vas être. Oh non, il va pas, tu dois. Tu vas, les gars, mettez un pouce bleu pour la Tsukami. Je vous dis, il va vous en mettre plein la vue. Moi, je veux voir les petits démarrages comme ça, tu vois. Allez, vas-y, bon courage. Deuxième adversaire du jour, Christopher Lee, un des favoris du tournoi parce qu'il a pana beaucoup de gens en live comme Soufiane Benkok et moi-même, oui. Donc voilà, ce sera un adversaire de taille très difficile, imprévisible, super technique et super expérimenté. Mais Anas, regardez comment il est concentré, je pense qu'il peut mettre à mal cet adversaire de taille. Voyons voir. Oups, regardez, Anas prend un but, mais finalement il y a faute. Heureusement, au ralenti, on voit que Ligt a poussé Anas dans le dos pour s'avancer. Comme vous le savez, à la fin des matchs, les juges donnent leur avis sur le côté skills de la compétition et attribuent un point aux joueurs de leur choix. Il y a 3 points en tout. Donc tout ça peut balancer en faveur d'Anas. On va attendre un petit peu pour voir le résultat. C'est parti. Alors, deuxième match.
match. 6-6, t'as réussi à revenir au score grâce aux skills. Et grâce à ta petite punchline et tout. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu ressens le game? Comment tu te sens dans la cage? Là, franchement, je me sens bien hein, dans mon élément. En fait, je prends mes compétitions comme un training, donc du coup, ça vient tout seul. Et parfois, je loupe des gestes, c'est normal. La concentration qui part un peu de temps en temps. Tout simplement, la réussite qui n'est pas là, mais là, je me sens bien. Troisième match, il faut que je tue le mec. Hein. Là, je vais l'égorger. Oh là, il va l'égorger. Contre qui tu joues? Contre 13 mecs. 13 mecs, un polonais. Alors lui, je l'ai analysé son premier match, il a grave la pression. Mais il est dangereux quand même. Il est trop dangereux, mais il a grave la pression. Donc en fait, si tu veux vraiment que tu prennes le lead sur, la gueule, sur la gueule. Par contre, ça va te faire relâcher dans ton Non, délire. Ça, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Voilà. Donc du coup, il faut que tu fasses le jeu à mort, mais en même temps, il faut que tu fasses attention. Voilà. Si tu fais le jeu, tu vas gagner à l'aise. Il est pas à l'aise, ça se voit, il est pas à l'aise, il est timide et tout. Ah ouais, les Français, nous, on a une chance, c'est qu'on ait des grandes gueules. Et quand t'as une grande gueule, t'as toujours confiance en toi. Allez. On va essayer ça, ce morceau. Ok. Ah, mon gars, tu vas où là? La Pologne, c'est pas par là? Qui va l'avoir pour les skills? Ok, next one. Ça semble tendu, il faut que Anas gagne les 3 points de jury pour passer au tour suivant. Là actuellement j'ai un peu la haine et c'est que de ma faute parce que je me suis pas assez concentré pour les buts. J'aurais pu prendre mon adversaire de vitesse, lui mettre quelques petites accélérations pour mettre quelques buts, mais j'étais vraiment plus focus sur le skills et essayer de mettre un petit pont. D'ailleurs, je sais pas si on a les images, mais à un moment il y a une tentative de petit pont que j'essaye et la balle se coince entre ses jambes. C'est un trou de souris, frérot. Un trou de souris. J'ai perdu une dent. Pour la petite souris qui vient de la chercher, j'étais là au max, j'ai fait attends, j'attendais juste que tu mettes une pointe de force entre ses jambes. C'est ça. Mais je suis sûr qu'ils auraient pas compté. Il y a eu, en gros, t'as gagné 2-3 points d'avance au score. Ouais, et après, les juges ont mis 2 votes pour toi et 1 vote pour lui, ce qui fait qu'il a gagné 7-6 à la fin. Exactement, voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi Anas il est passé à la 3ème place, c'est surtout au niveau des buts marqués, parce que l'adversaire sur lequel il avait égalité, Ligt, le Danois, il a marqué 9 buts contre le Polonais, ce qui a fait la différence de ouf au niveau des points. Est-ce que tu vas continuer à t'entraîner pour nous ramener la course et la coupe un jour ou quoi? Bien sûr, comme l'année dernière que j'ai gagné par la Pro League, je vais toujours m'entraîner pour n'importe quel coup. Ok, bien sûr. Les gars, si vous avez envie d'apprendre les panas et de voir un peu les meilleurs gestes de panas, allez sur l'Instagram de Anas Boukami, je vous mets dans la description.
On va peut-être un jour organiser un petit camp de panache, je sais pas, à Paris, ça serait cool. Ah, si ça vous intéresse, mettez un maximum de pouces bleus, mettez dans les commentaires, ouais, on va apprendre. Et si je vois qu'il y a vraiment du monde qui va apprendre, on va s'organiser un petit truc comme ça. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît vers Anas. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait le CN Tour où Anas a gagné. Il était élu le meilleur joueur de street football français et aussi le meilleur joueur de pana français avec le championnat de France. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Coach Chain en cliquant sur la Coach Chain qui apparaît juste sur la tête par là. C'est bon, t'as cliqué, on se voit bien sûr. À la prochaine vidéo. À la prochaine séance. Ah, bye.